Chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, chers amis de la chaîne de télévision C'est les Lumières, en ce mardi 2 juillet, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La messe de ce matin est célébrée en remerciement à Saint-Joseph et à Saint-Frère André et recommandée par M. Michel Dubois. Dieu nous offre sa miséricorde en abondance. Il nous revient de la recevoir et de nous y plonger. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, envoyé dans le monde, prends pitié de nous. Ô Christ, salut de Dieu pour notre vie, prends pitié de nous. Seigneur, présence de Dieu au cœur de nos détresses, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que son Esprit nous pacifie et nous marcherons en toute confiance vers la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit-Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Au cours de la nuit, les gens de Sodome avaient attaqué les deux voyageurs qui étaient venus chez Lot. À l'aurore, les deux anges poussèrent Lot à fuir la ville en lui disant, « Debout, prends ta femme et tes deux filles qui sont chez toi, si tu ne veux pas périr toi aussi à cause des crimes de cette ville. » Comme il hésitait, ces hommes le saisirent par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, parce que le Seigneur voulait l'épargner. Ils l'entraînèrent hors de la ville. Une fois sortis, ils lui dirent, « Sauve-toi si tu tiens à la vie. Ne regarde pas en arrière. Ne t'arrête nulle part dans la plaine. Sauve-toi dans la montagne, si tu ne veux pas périr. » Lot leur dit, « Non, je vous en prie, mes seigneurs. Votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux, et vous m'avez montré une grande miséricorde en me laissant la vie. Mais je n'ai pas le temps de me sauver dans la montagne. Le fléau va me rattraper et je mourrai. Voici une ville assez proche pour que je puisse y courir. Elle est si petite. Permettez que je m'y réfugie. Elle est si petite et j'aurai la vie sauve. » Ils lui répondirent, « Pour te faire plaisir, cette fois encore, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi là-bas, car je ne puis rien faire avant que tu y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Soar, ce qui veut dire « petite ». Le soleil se levait sur le pays et Lot entrait à Soar. Quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorre une pluie de soufre et de feu, Dieu détruisit ces villes et toute la plaine, avec tous leurs habitants et toute la végétation. Or, la femme de Lot avait regardé en arrière, et elle était devenue une colonne de sel. Ce matin-là, Abraham se rendit à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur, et il porta son regard en direction de Sodome et Gomorre et de toute la plaine. Il vit monter de la terre une fumée semblable à celle d'une fournaise. Lorsque Dieu a détruit les villes de cette plaine, il s'est souvenu d'Abraham et il a fait échapper Lot au cataclysme qui a détruit les villes où il habitait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Éprouve-moi, Seigneur, scrute-moi, passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour, marche selon ta vérité. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Ne m'inflige pas le sort des pécheurs, le destin de ceux qui versent le sang. Ils ont dans les mains la corruption, leur droite est pleine de profit. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Oui, j'ai marché sans faillir, libère-moi, prends pitié de moi. Sous mes pieds le terrain est sûr, dans l'assemblée je bénirai le Seigneur. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Alléluia, alléluia. L'espérance, c'est le Seigneur, je m'appuie sur sa parole. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voilà que la mer s'agita violemment, au point que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Ses compagnons s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit, « Pourquoi avoir peur, hommes de peu de foi ?» Alors, debout, Jésus interpella vivement les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient, « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, l'événement surprenant de la tempête apaisée n'est pas un geste spectaculaire de Jésus pour prouver sa divinité. Jésus a toujours parlé le langage des signes et non le langage des preuves, parce qu'il sait que le langage des signes, c'est le langage de l'amour.
Ce qui compte le plus pour Jésus, c'est que nous en arrivions à partager l'interrogation des apôtres après la tempête. Qui est-il donc celui-là, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Jésus se révèle ainsi comme le Dieu créateur qui a fait le ciel et la terre pour les mettre au service de l'humanité et qu'elle y puise sa subsistance et son bonheur. Oui, Jésus est bien le maître de l'univers. Le ciel et la terre racontent la gloire de Dieu, nous dit la Bible. Les beautés de la nature nous parlent de l'amour et de la grandeur de Dieu qui nous a donné tout ce qui existe pour notre émerveillement. En cette période d'été, prenons le temps d'admirer les lacs, les arbres, les montagnes, le ciel, les fleurs, les couchers de soleil et toutes les merveilles de la nature qui sont si nombreuses. Jésus était un amoureux de la nature et il en tirait toutes sortes de leçons. Il disait à ses disciples, « Regardez les lys des champs, regardez les oiseaux du ciel. » Même Salomon, dans toute sa splendeur, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Il est important de ne jamais perdre contact avec la nature qui nous régénère et qui nous parle de Dieu. Et quand les manifestations de la nature deviennent menaçantes, que ce soit un ouragan, une tempête, un vent violent, ou une pluie diluvienne, et si nous suivons ce qui se passe dans l'univers, ces événements ne manquent pas. Eh bien, il faut être convaincu que le Seigneur est là, qui veille sur nous, même s'il semble dormir, car il est toujours capable de vaincre les forces du mal et de nous sauver de la mort. Voilà en quoi consiste la foi chrétienne. Faire confiance au Seigneur, maître de l'univers. Or, notre tendance, c'est de crier et de s'imaginer que Dieu ne s'occupe pas de nous. Par-delà le côté spectaculaire de la tempête apaisée, Jésus veut sûrement nous enseigner que la vie et l'aventure humaine, c'est un peu comparable à un voyage en mer ou à une traversée en bateau. Tôt ou tard, nous rencontrerons des obstacles, des contrariétés, des vents et des tempêtes. Nous aurons beau souvent lutter de toutes nos forces, essayer de nous en sortir par tous les moyens. La peur et l'insécurité finiront par s'emparer de nous pour nous paralyser et nous remplir de désespoir. Nous en arriverons peut-être à crier au-dedans de nous comme les apôtres, « Seigneur, sauve-nous! Fais quelque chose! » Par-delà nos limites et nos fragilités, Jésus est le seul qui peut nous sauver de la peur, de l'insécurité et de la mort. Oui, il est le Sauveur. Il est le Père qui s'arrangera toujours pour prendre soin de ses enfants. Voilà notre confiance et notre foi fondamentale. Notre Père s'occupe de ses enfants. En participant à cette Eucharistie, prions le Seigneur, Maître de l'univers. Amen.
béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, frais de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons, il deviendra le vin de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit-Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit-Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, saints frères André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. » Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Et que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent et vous soutiennent. Allons dans la paix.